Il a dit, mon frère. Fais trois fois, tu soulèves le même truc. C'est quoi? Non, ça va aller. Je vais trouver. Tu vas trouver quoi? Je vais trouver la panne. La panne est toujours là. C'est caché. Quand c'est caché, il faut le trouver. Toi. Madame, laissez-moi faire mon travail. Vous n'êtes pas matin, m'apprendre mon travail quand même. Laissez-moi travailler. Tu la payes pour la même chose. Oui, je sais, mais laissez-moi travailler. Papa. Papa. Oui, petit. Quand les gigolos t'as retrouvé panne, ça. Je vais retrouver la panne. C'est quoi, mon petit? Il faut bien lui poser la question. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il cherche. On va retrouver. Bon, madame, c'est quoi on va faire? Allez-y, vous asseoir là-bas. Là. Laissez-moi travailler. Hein? Monsieur, oui. Je ne peux pas partir m'asseoir. Quand c'est quoi on travaille là? Quand vous êtes présent comme ça, là, ça nous indispose. En quoi ça vous indispose? Mais ça me. Quand vous êtes là. On vous donne de l'argent, vous êtes là, vous ne faites rien. Vous voilà, vous êtes là aussi, on ne retourne pas la panne depuis là. Mais allez-y, vous asseoir là-bas. Je vais m'asseoir là-bas. Oui. Mais si, gare à vous, oui. Vous n'avez pas trouvé où vous faites un autre truc de ce genre, j'ai pas aimé. Je vais retrouver la panne. Ok. Moi, je vais retrouver la panne. Ok. Tu as changé de voiture. Comment ça? Toi, tu sais où moi j'ai pris ma mécanique là? Nous on a pris. Qu'est-ce quoi? Avion, nous on repart. Même les bateaux, on repart. C'est quoi? Ça, c'est pas panne ça. C'est quoi? Petite panne là. Ah, papa. C'est quoi? Petite panne, mais depuis là, on n'a pas encore trouvé. Et toi, tu t'étais? Ah, on va retrouver ça. Ah, mais c'est Lucas. Eh, jolie femme. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais très bien. Et chez toi? Ça va. Ah, mais ça fait deux jours quand même, hein? Oui, je suis là. Ah! Au fait, je suis avec mon fils Glocou, là, en train de chercher une panne qui nous fatigue depuis là. Glocou? Oui. C'est mon ex. Mmh. Ouais, mon ex. Voilà. C'est votre fils? Oui, c'est mon fils, il s'appelle Glocou. Dieu merci. Voilà, ça tombe bien. Redonne-moi ton numéro là. J'avais ça, mais je ne sais même pas où c'est passé. Voilà, redonne-moi le numéro. Voilà. J'ai mon numéro. Je veux ton numéro. Ah. Voilà. Oui, oui. 200. 400. 500. 1000 francs. Quels sont ces chiffres là? Les miettes que tu me donnais là, 1000 francs, 500 là. C'est ce que ça nous redonne. C'est ça que tu m'as redonné là? Bien sûr. Mon numéro. Tu as fait quoi avec? Papa, elle est qui pour toi? Non, je t'ai dit que c'est mon ex. C'est quelle question ça là? C'est mon ex. Au fait, ex là, ça veut dire qu'elle et moi on est ensemble, c'était ma copine, on a presque tout fait ensemble. Hein? Non, tu as réallumé les feux. Faut te lever là-bas. Faut te lever. Il faut aller donner ça là, à la cantine là. Voilà, ça là c'est thermomètre. Il faut lui dire qu'on n'a qu'à placer ça sous ses aisselles ici là. D'accord. Celle chauffe là. C'est que la voiture la chauffe. Mmh. Voilà, il faut aller voir ça. Il faut lui, va lui dire ça. Daddy. Coupé. Daddy. Oui, tu l'as fini. Il dit qu'elle est donnée de me mettre la dame et ça ici. Mais si tu chauffes là, c'est que la voiture la chauffe. Ton papa il est malade. Je suis malade. Allons-y là. Elle a pu placer le thermomètre là. Elle dit que tu es malade. Comment ça, je suis malade? Sa voiture est malade. C'est que c'est elle-même qui est malade. Madame, placez le thermomètre là-bas. Mais vous foutez de moi. Comment ça? Je suis à l'hôpital. Vous êtes médecin ou bien vous êtes mécanicien? Je suis mécanicien, je suis non, médecin. Mais arrêtez aussi. Ça. Votre thermomètre a quoi à voir avec la voiture? Si, c'est un rapport. C'est un rapport, ça là, c'est ça, c'est quoi? C'est un thermomètre. Ça prend quoi? Arrêtez. Ça prend la température. Arrêtez. Dans la voiture, elle n'a pas de température. Monsieur, aussi, arrêtez pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Placez ça là-bas, voir. Si vous chauffez, la voiture. Monsieur, vous ne valez rien, c'est quoi le problème? C'est vous-même qui valez rien? C'est quoi le problème? C'est vous-même qui valez rien? Si vous êtes un mécanicien. Est-ce que vous maîtrisez votre voiture? Vous êtes devant moi là-bas. Bande de voyous que vous. Allons-y. Famille, j'espère que ça va super bien. Mais voilà, pour tous vos séjours désormais, voilà, je veux dire pour toutes vos nuitées aussi, ne vous cassez plus la tête. Voilà, une seule adresse, Self Résidence. C'est pas caché, c'est situé à Ndotré, sous Traprime. Juste après cette vidéo-là, voici nos contacts qui s'affichent. Résidence climatisée et confortable. Ciao!